envoyer. 1, 2, 1, 2. Kout, kourezik. Isel ba pour kouzout. Kout, kourezik. Bokan ba pour kouzout. Kout, kourezik. Mandoum ba pour kouzout. Kout, kourezik. Mong ba pour kouzout. Kout, kourezik. Isel ba pour kouzout. Bokan ba pour kouzout. Isel ba pour kout. Mais mon ami, mais que fais-je? Tu es placé au niveau de nulle part. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de réfléchir. Parce qu'il y a une situation bizarre qui s'oppose. Voilà décembre et les fêtes sont en amont. Et je me demandais, toi, comment vas-tu gérer ton habillement pour les fêtes? Ah, non, tu parles des habits de Noël. Hein? Oui. Gars, si tu me vois avec le thermos de noyau sur la tête, ne me pose pas les questions. Fais-moi seulement la recette. Okay. Tu n'as jamais fait dans les noyaux. Par quelle équation passeras-tu pour vendre les noyaux? C'est l'équation que tu veux. Oui. Je vais te démontrer par A plus B que moi, je vais vendre les noyaux et il va avoir les habits de Noël. Suis-moi. Envoyez. Je vais te prouver par A plus B que moi, je peux vendre les noyaux en décembre et avoir l'argent des habits de Noël. Regardez bien. X carré est égal à triangle. Hey! C'est quelle équation comme ça? Non, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux, c'est nul. Donc, X carré n'est jamais égal à triangle. Jamais. Attends un peu. Donc, tu veux que te démontre que l'équation c'est vrai? Oui. Quand on prend d'abord X, on prend d'abord X. On a toujours dit, quand X est seul comme ça, ça veut dire que c'est égal à combien? À 1. 1. Maintenant, le carré, on a dit maintenant X carré. Ça veut dire que le carré ici a combien de côtés? 4 côtés. On met 1 côté, 2 côtés, 3 côtés, 4 côtés, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, on prend le 1 ici qui est X. Oui. On vient, le carré a combien de côtés? 4 côtés, non? On vient, on enlève le côté ici. C'est quoi ça? Et combien de côtés sur le carré? 3 côtés. Ça fait quoi? Triangle. Ta tête. C'est les pop-corn. C'est les pop-corn. Il y a rien dedans. Moi, je m'avais cherché mes habits de Noël. Avec les noyaux. Fais-moi la réception. Grand marabout, si je suis venu chez toi aujourd'hui, c'est parce que je veux l'argent des fêtes de l'an de décembre, grand marabout. Toi, c'est chaud aussi sur toi. Hein? Mal chaud, grand marabout. C'est un petit problème. Toi, le 5 centimes. On a travaillé sur ça. Hein? Tu vas aller mettre ça en route. Dès que quelqu'un passe, il ramasse là. Il est fou. Tu auras tout l'argent demandé. Attends. Sois pas pressé. Mais si tu ramasses encore les 500 là, tu vas devenir folle. On me dit que pour faire le bon noyau, il faut le bon pain rassis. Voici c'est ici. Et tu as un uniforme de bon vendeur de noyaux. 500 paquets en décembre, le fonds de commerce. Le marabout a dit que si je dépose l'argent, la personne qui va ramasser ça va devenir fou. Et j'aurai l'argent. Et si le fou s'y vient, il ramasse ça, ça peut tourner au vinaigre. Le plan peut échouer, eh Seigneur. Laisse l'argent aller, laisse ça, oh. Laisse ça, je trouve l'argent par terre, tu me dis de ne pas ramasser comment? Attends un peu. Eh Seigneur, c'est... Quoi? C'est comme ça que ça commence souvent. Ya, j'ai ça, bah, dehors. Donc, il est même moi devenu fou.